Hey, salut les gens, ce matin on est le dimanche 21 mai, donc c'est un mois avant la fête de la musique. Donc pour l'occasion, Audrey va nous chanter une petite chanson. C'est ça? Non? Bon, donc en vrai, en fait, c'est l'Urban Trail de Cergy Pontoise. Donc on a trouvé Steve et Stéphane. Et donc on part pour 20 km, ça va être bien sympa a priori. Véronique, tu veux qu'on court tous tenus sous la pluie? Allez, bah vas-y, commence. T'as toute la France qui te regarde pour ça. C'est bien les gonzesses. Ça a que de la gueule. Ça propose des trucs, c'est des choses jamais. Dans 10 bornes, je suis en brassière. Attends. J'ai même plus besoin de demander ici, ils ont l'habitude. Bien, qu'est-ce que tu fais? On va par là. Il y a des gens comme ça qui se disent que 20 km c'est pas assez, donc ils font un petit aller-retour dès le départ. Ah, encore toi. Tiens, ça fait 2 km qu'on est parti. Trop bisous sur cette course. Moi je pense qu'à la fin j'aurai les joues usées. Okay. Oh, on va lui faire une belle photo quand même. Vient de sonner pour 5 km, un petit 29 minutes, on avait dit qu'on mettrait environ 2 heures, un quart du parcours, un quart du crédit temps qu'on s'est alloué. On est bien. Ah non mais t'en vas pas, comment tu me fais un bisou si tu t'en vas? L'enfo, je te poursuis. Allez, non, regarde. Je vais être sur la vidéo, je le sais. Ok, déjà, bisous. Ça, je vais faire 3 km. Déjà, je veux un bisou, c'est ta collègue là-bas, je l'ai poursuivi mais elle a fait de la résistance. Quoi dégueulasse, c'est un peu de sel, c'est... Il fait 2 mètres mais je cours plus vite. Ah, l'autre il a cru le rabito, c'était un drag, il prend en portée quoi. Il consomme pas sur place, il a pas le temps. Et le chocolat. Ah, important le chocolat, toujours. C'est pas beau ça quand même, il t'a ramené un petit gobelet d'eau avec amour et c'est tout. Génial. Il a couru sans en mettre une goutte à côté. Franchement, on est super bien dans la forêt, on est à l'ombre, c'est super sympa. Bonjour. On va avoir un bisou aussi. Putain, dans quoi il nous envoie là? En plus, il y a un sac plastique accroché à l'entrée de la forêt, moi je me méfie dans ces cas-là. On va nous demander de payer après. Allez, ça fait une grosse heure qu'on est parti, 10 km, on est toujours pas trop mal dans les temps de ce qu'on avait dit, ça le fait bien. Franchement les copains, vous trouvez ça méchant comme coûte? C'est rien ça. Bon Audrey, c'est un jour sans, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Comment tu te sens? Pas bien? Les jambes. T'en as deux, ça va? Ouais. Donc tout va bien. Profitons de cet instant plus calme pour écouter le magnifique chant des oiseaux. À chanter, bande de cons. C'est bien hein. Il se met à pleuvoir et là le ciel c'est du genre on va s'en manger une bonne grosse bien dans la gueule quoi. C'est bien, ça rafraîchit. Et voilà, qu'est-ce que je disais, on se la mange la bonne averse, on se la mange bien dans la gueule. Moi j'aime bien, c'est cool de courir sous la pluie. Oh, on est bien là. En tout cas on voit qu'on arrive au 15e, c'est le 3e ravito, c'est le ravito permanent, bien arrosé celui-là, bien arrosé. Je pense que le ravito il est un peu dilué là. Bon bah voilà, tu peux plus, on est en descente, tout va bien. Ah ouais d'accord, on n'est pas des gens bien, on n'attend pas que le bonhomme il passe au vert. Eh, faut pas en profiter pour traverser hein, on vous a vu. Donc là c'est la place des moineaux, petit coin sympa. Hier soir j'ai mangé une pizza, là c'était cool. Et donc là on arrive, la cathédrale Saint-Malcou je crois. Allez, 2 km là. Et là on voit plus les gens, on est tout seul. On est premier, vas-y on va gagner. Oui. Les derniers kilomètres de cette urbaine trail de Cergy-Pontoise. Quelques minutes et t'es libre. Ouais. Ouais. Allez, faites du bruit pour Audrey là, elle en peut plus. Allez, regarde, tout le monde est avec toi là, allez. C'est le dernier bisou. Regarde, ça c'est l'arrivée. Voilà, t'as le droit de t'arrêter maintenant. Ah non, je suis déçu. Pourquoi c'est pas des jolies demoiselles pour nous donner les médailles? Bah, il faut imaginer. Franchement, on se fait eu là. Voilà, donc je me suis fait une petite assiette là, comme ça. Et on mange bien, hein, franchement.
Non, et tes remplaçants, ils assurent quand même. Je vais demander à tout le monde de faire Anna, je parle à la caméra, donc tu te tais, s'il te plaît. Merci. Bon, ben voilà, hein, cette Urban Trail de Cergy-Pontoise, c'est fini. Donc un petit 20 km bien sympa, avec un petit peu d'eau. Un beau parcours, franchement. Beaucoup de passages forestiers, c'était bien agréable. Une belle orga encore, avec des ravitaux bien garnis. Le balisage était bon. Enfin, pour nous, en tout cas, parce qu'apparemment, ceux qui ont fait le 10 ont eu quelques petits soucis, ils ont fait un petit peu de rab. Et nous, on a eu vraiment zéro souci. Bon, ça a été très dur pour Audrey. Hein, 10 km quand même beaucoup dans le mal. Voilà, donc on met 2h12 pour boucler ces 20 km. Allez, c'est terminé. Et c'est terminé avec quand même une très jolie médaille. Et quand on dit que la course, elle coûte quoi, 10-15 balles par là, quand on voit tout ce qu'on a à bouffer. Parce qu'à la fin, en plus, il y avait du salé avec des quiches maison, des pâtes. Franchement, on a super bien bouffé. Il y avait des ravitaux bien garnis. Un beau parcours. Non, franchement, c'est top. Là, au niveau de la sauce, le raid des secs, vous avez encore bien bossé. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu. Bah, vive cette course avec nous. Peut-être que vous aurez envie de venir l'année prochaine sur le raid des secs. Elle anime la vidéo, c'est cool. Donc, bah, vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous partagez tout ça, tout ça. Allez, gros bisous et à bientôt.